Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo une autre recette à base de chou blanc. On va faire le gratin à la viande hachée. Voici les ingrédients. La moitié d'un chou qu'on fait cuire dans une eau frémissante et salée. Une quantité de viande hachée, moi j'ai mis 500 g. Un oignon coupé, demi-cuillère à café de sel, poivre, paprika, avec une pincée de cannelle et une autre de cumin. Nous mettrons aussi une cuillère à café de tomates concentrées, une feuille de laurier et de la noix de muscade qu'on va râper, deux gousses d'ail écrasées, du persil frais coupé, du beurre pour beurrer le plat et enfin du fromage râpé. Pendant la cuisson du chou, on prépare la farce. Comme d'habitude, on fait revenir l'oignon et l'ail. On rajoute la viande hachée, qu'on fait revenir avec les épices, la feuille de laurier. On rajoute après la tomate concentrée, qu'on fait diluer avec l'équivalent d'un demi-verre d'eau chaude. On couvre et on laisse mijoter sur feu doux une dizaine de minutes. En fin de cuisson, on met le persil et si vous avez de la menthe fraîche, mettez-y 2 ou 3 feuilles ciselées. Ça donnera plus de goût et de fraîcheur. Enfin, on va râper un peu de noix de muscade et notre farce est prête. À beurrer le plat et disposer les feuilles de chou bien égouttées comme sur l'image, verser dessus la farce à la viande hachée et recouvrir le dessus de feuilles de chou. Râper le fromage par-dessus et enfourner à 180 degrés entre 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien doré.
souhaite un bon appétit, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Bye!